Bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une vidéo absolument pas travaillée et ouais en fait ça en fait beaucoup comme ça. Mais aujourd'hui je vais faire un petit point sur la chaîne parce que ça fait quand même un moment que la chaîne tourne en rond je dirais, enfin qu'il se passe pas grand chose. Et que pourtant j'aimerais quand même apporter des news mais j'ai jamais trop su comment les apporter. À la base je comptais faire une vidéo en facecam, la fameuse vidéo que je voulais faire en août 2020 mais que du coup je veux toujours pas faire. Mais ouais, du coup, encore une fois, je me rabats sur une vidéo du gameplay. Je sais d'ailleurs toujours pas quel sera le gameplay de cette vidéo, mais bon, on s'en fout. Bon, au moment où j'enregistre, on est le 12 juin 2021 à 17h45 très précisément. Et ça fait quand même depuis le 5 mars 2021 que j'ai pas sorti de vidéo, donc environ 3 mois. Un peu plus de 3 mois. Et ouais, ça fait quand même un petit moment. Enfin, non. En fait, 5 mars 2021, c'est le moment de la vidéo sur Pyrrha et Mythra qui arrive dans Smash Bros. Et depuis, j'ai sorti que des vidéos shitpost. Voilà, bah, en fait, depuis, j'avais juste sorti une vieille vidéo Among Us. Bon, bref, c'était marrant, hein, c'était un truc en imposteur, vite fait marrant, mais c'est pas une vraie vidéo. Et ouais, en fait, depuis, j'ai pas vraiment posté de vidéo. Et j'ai un petit problème. Bah, en fait, ça fait depuis février. Que je le dis pas du tout H24, mais que j'ai quand même promis la vidéo, enfin la review sur Mirror's Edge. Et en fait, elle est, le script est terminé, mais je me suis toujours pas enregistré parce que ça va me prendre, j'ai compté, ça va me prendre minimum 3 heures d'enregistrement, hein, ce sera un grand minimum. Et après, il faudrait que je la monte. Et en fait, le script, je vous dis qu'il est terminé, mais il y a des choses à revoir si je veux que le script soit bon. Enfin, voilà, j'arrive pas à bien faire la vidéo sur Mirror's Edge et à bien la mettre en forme. Et j'ai vraiment envie qu'elle soit cool parce que ça m'a pris énormément de temps. J'ai des, comment dire, j'ai pas mal de pages de script. Donc j'ai envie que la vidéo soit le meilleur possible. Ce que je me disais, c'est que j'allais attendre d'avoir sorti cette review pour pouvoir ressortir d'autres vidéos. Même par exemple cette vidéo là, je me disais, de toute façon, va falloir que je la fasse un jour. Et que après je fasse une vidéo en disant ouais c'est cool ou alors c'est pas cool, enfin je sais pas si la vidéo vous a plu ou pas, on verra bien de toute façon si elle vous plaira. Mais voilà, en tout cas je comptais faire des vidéos après que cette review soit sortie. Le problème c'est que il y en a encore pour un moment et je taffe vraiment pas dessus la H24, vraiment je suis un énorme flemmard, genre ça fait depuis février que je vous la promets. Et pff, en fait soit le soir d'un coup je m'y étais et genre de 20h à minuit vous voyez je taffais, soit vraiment j'en ai rien à foutre pendant plusieurs semaines d'affilée. Enfin c'est pas que j'en ai rien à foutre mais que c'est que j'ai pas envie de taffer dessus, bref. C'est compliqué, voilà. Et du coup sinon le problème également c'est que en fait j'ai pas trop d'idées de vidéos si je puis dire. Enfin en fait si, enfin oui et non, j'en ai par ci, j'en ai par là. Et je vais pas vous mentir, il y a un truc qui me saoule un petit peu sur les grosses chaînes. Enfin je vais prendre un exemple, un youtubeur que vous connaissez sûrement parce que vous suivez ma chaîne, Bronol. Voilà, vous connaissez Bronol, il fait du Smash Bros et tout. Je prends lui en exemple mais il y a quand même beaucoup d'autres chaînes YouTube comme ça que je prends en exemple. Sa chaîne YouTube principale il l'a réservée aux documentaires tout ça. Et ensuite, il décale toutes les autres petites vidéos sur une autre chaîne. Et en fait, un truc que moi, j'ai jamais voulu... C'est vraiment un truc que j'ai jamais voulu faire. Parce que les vidéos longues, documentaires et tout, c'est cool, hein. Mais en vrai, on a besoin aussi des vidéos courtes et sympas de temps en temps. Et split ça en deux chaînes. Et même devoir faire que des vidéos courtes ou que des vidéos documentaires, ça me saoulerait vraiment. Enfin, documentaire, pour moi, serait review, vous voyez. Mais lui, c'est documentaire Smash Bros. Bref. Et moi, j'ai juste pas envie de split ma chaîne en deux ou je sais pas. En fait, j'ai envie que si je veux faire une grosse review, je la fais. Mais en même temps, je peux faire des petites vidéos. Enfin, vous voyez, bref. Il y en a qui s'abonneront pour les grosses reviews. Il y en a qui s'abonneront pour les petites vidéos régulières. Bien sûr, il y aura pas toujours le même type d'abonnés. Et en fait, j'en ai rien à battre. De toute façon, ma chaîne, j'ai jamais eu de réelles ambitions de toucher un bon public ou de faire de l'argent. Bref, du coup, c'est pas mon problème. Cela étant dit, des petites idées de vidéos, pour l'instant, j'en ai pas trop. Alors, du coup, le 3, c'est dans. Le 3 de Nintendo, c'est dans quelques jours. Oui. Parce que les autres E3 et tout, bon, pas ouf et tout, enfin, les autres conférences. Mais l'E3 de Nintendo, c'est dans quelques jours. Et vraiment, j'ai trop hâte qu'ils annoncent des trucs. Déjà, et surtout, ouais, je pense que. Il y a moins que je fasse des petites vidéos sur plein de petits jeux de Nintendo qui sortiront, tout ça. Ça peut être vraiment très sympa, même sur des jeux PC. Bref, des petites vidéos, il y en aura. Mais ce sera pas avant fin 2021. Enfin, en fait, si, il y en aura toujours quelques-unes. Mais plein de petites vidéos. Et Splatoon 3, je pense que je ferai plein de vidéos régulières. Quand il sortira, bref, ça va, en fait tout ça, ça va arriver. La chaîne qui redémarre vraiment, ça va arriver. Pour l'instant j'ai, comment dire, je suis en fin de troisième là aussi. Et du coup j'ai le brevet, donc tout, vous direz ce que vous voudrez, hein. Lol, le brevet c'est gratuit, je sais que c'est gratuit, je m'en bats les couilles, je veux quand même travailler pour l'avoir un minimum. Et du coup bah déjà jusqu'à fin juin je serai plus du tout là. Mais l'année prochaine du coup vu que je serai en seconde, bah je serai en vacances ultra tôt, j'aurai beaucoup de temps pour moi. Bref, l'année prochaine sera bon. Et cette
Enfin oui, je sais que la saison il faut pas non plus rigoler avec ça, mais voilà, ce sera quand même plus chill et j'aurai quand même plus de temps pour moi, vacances plutôt, tout ça. Donc du coup l'année prochaine ce sera bon, enfin bon entre guillemets pour les vidéos j'ai envie de dire. Mais en tout cas là, fin d'année, vacances même, il n'y aura pas beaucoup de jeux auxquels j'aurai envie de faire des vidéos. Du coup il va falloir attendre un peu pour que tout ça arrive. L'arrivée sur Mirror's Edge, j'ai vraiment très hâte de la faire. Ah ouais, sinon pour les weebs qui s'y connaissent. Genre pendant le confinement, quand j'étais en 4ème du coup, pendant le confinement, j'avais regardé Assassination Classroom. Et je vous promets, au fond de moi, j'aurais trop espéré que ma classe de 3ème soit comme ça. Enfin bref, du coup, la 3ème est passée et je ne serai jamais dans la classe d'Assassination Classroom, c'est la vie. Enfin en même temps, si j'avais dû avoir une fin comme dedans. Bref, je m'égare beaucoup trop de la chaîne. Autre chose, les 4 ans de la chaîne, c'est le 18 juin, donc dans très peu de temps, dans quelques jours. Et en fait, petite annonce que je n'avais pas réellement faite, s'il n'y aura pas de Mad Birthday Tournament 4 cette année. Il n'y a pas vraiment de raison à ça. Enfin, la raison c'est que déjà, on n'avait pas d'idée sur quel jeu on aurait réellement pu le faire. Mais je crois que ça commence à être un petit peu lassant, j'ai envie de dire. En plus, il y en a qui sont déjà au lycée, qui passent leur bac, tout ça. Enfin, trop compliqué à faire et j'ai bien peur que dans les années à venir, ce soit la même chose. On verra l'année prochaine si on a la motivation d'en faire un. D'ailleurs, on sait même pas quel nom ça aura vu qu'on n'aura même pas fait de Mad Birthday 4 cette année. Faudra voir. Mais en tout cas, pas de Mad Birthday cette année et je sais pas si le concept reviendra. Enfin, en tout cas, ça me faisait très plaisir de les faire les années précédentes, mais cette année, c'est pas possible. Du coup, malheureusement, il y a peu de chances que ce soit possible les prochaines années encore, mais on verra bien si on peut se débrouiller en faisant dans les vacances d'été l'année prochaine. Bref, en tout cas voilà, c'est une news, il n'y aura pas de Mad Birthday 4 cette année et on n'y peut rien, désolé. Voilà, du coup je pense avoir à peu près tout dit sur la chaîne. Selon le moment où cette vidéo sort, je vais quand même essayer de la sortir avant parce que sinon ce sera un peu con. J'imagine que je la sortirai la veille. Du coup si ça sort la veille, oui de toute façon je vais faire en sorte que ce soit ça. Si la vidéo sort la veille de l'E3 de Nintendo, sachez que je serai en live avec le groupe pour faire un react au Nintendo Direct. Et ouais, j'attends vraiment beaucoup de ce Nintendo Direct, même si j'ai pas de la hype comme les autres kékés en mode « Ouais, je veux Metroid Prime 4 et tout, tous les trucs qui arriveront jamais, Switch Pro machin. » Non, je veux juste des bons jeux qui sortent sur Switch, parce que putain, la Switch, on s'ennuie dessus. Enfin bref, encore une fois, je m'égare, mais voilà. Du coup, ouais, je vais faire en sorte que ça sorte la veille. Demain, React, Nintendo Direct. Je commencerai genre 5 minutes avant le direct. J'aurai retrouvé une boîte. Enfin, vite que je sors des cours et que je rentre chez moi. C'est à 18h, me semble-t-il. Ouais, c'est à 18h le Nintendo Direct. Voilà, du coup, rendez-vous demain. Cette vidéo s'est déjà beaucoup trop éternisée. Je vais m'arrêter là. Bonne soirée, bonne journée. À demain pour ceux qui seront là. À très bientôt pour la review sur Mirror's Edge que j'espère sortir le plus tôt possible. Bonne soirée, bonne journée et salut.